Toute chose commencée, un siècle ou presque un songe, trois générations d'êtres qui ne sont plus de corps, enfouis en terre étrangère, vie, dispersés à la surface du globe, dont il ne reste aucune trace, dans les temps qu'un halo qui palpite et scintille faiblement, comme une étoile variable, dans la poitrine de trois ou quatre vivants tout au plus, trois ou quatre qui séjournent, pour un temps encore, dans la beauté des choses, pour un temps qui séjourne, dans la beauté des choses, dont il ne reste dispersé, tout au plus qu'un halo. Venu à Perugia, Ombrie, Italie, en juillet de l'an du Christ 2019, sur les traces de mes arrière-grands-parents maternels, à la faveur d'une bourse d'écriture attribuée par l'Institut français. En vérité, je vous le dis, pendant mon séjour, j'ai surtout été confronté de façon désastreuse à la solitude et à l'angoisse face à mes propres turpitudes. J'avais passé depuis longtemps déjà le mi-temps de notre âge et je ne sais pas bien ce que j'espérais trouver dans ce lointain voyage. J'avais quitté Paris dans un état d'épuisement et de tension que je n'avais encore jamais connu auparavant, après des mois particulièrement difficiles et laborieux. Je partais pour les enfers, j'emportais tout le mal que j'avais commis contre moi et contre les autres. Et j'étais arrivé à Perugia passablement éprouvé, au terme d'un long et pénible périple à la suite de nombreuses vicissitudes, retards de train, correspondances manquées, lignes ferroviaires coupées entre la France et l'Italie en raison d'un émoulement dû aux intempéries. De mes arrière-grands-parents, j'ignore pratiquement tout, excepté les maigres informations qui sont portées sur le passeport d'Elisa Frondizi, dont je possède une copie. Établi le 19 décembre 1922 et nommé di sua maestà Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e Volontà della Nazione Re d'Italia, le document indique qu'elle est née à Gubbio, petite ville située à une quarantaine de kilomètres à peine au nord-est de Perugia, le 21 octobre 1896, et qu'elle était figlia de Frondizi Benedetto et de Giacometti Assunta, qu'elle était coniungata, mariée, qu'elle exerçait la profession de casalinga, femme au foyer, et qu'elle résidait alors à Assise. Il est précisé également qu'elle savait lire et écrire. Quant à sa positionnée d'Ileva, sa situation militaire, la case correspondante est simplement biffée. La description d'Elisa est très sommaire, comme toujours sur ce type de document. Elle mesurait 1m57, elle avait le front giusto, les yeux néris, le nez régolaré, les cheveux néris aussi, n'avait ni barba, ni baffi, pas de moustache. Le teint de sa peau était bruno, sa correspondance giusta également tout à fait appropriée. Elle ne présentait aucun segno particolare. C'est du moins ainsi que l'a perçu le fonctionnaire qui a complété il présentait passaporto valido per un anno, dans une écriture cursive peu lisible, délivré par la sous-préfecture de Foligno sous le numéro 847, numéro de registro correspondante doué, afin qu'elle puisse se rendre en France, à Micheville précisément dans la banlieue de Villerue,
au sud-est de l'Anhui, Meurthe et Moselle, où Pasquale, son époux, d'après ce que je sais, avait fini par s'établir comme maçon depuis déjà près de 2 ans. Un tampon sur la page 3 indique « Frontière de Modane, France, entrée 28-12-1922, commissaire spécial ». Il s'est donc écoulé 9 jours à peine entre le moment où le document a été établi et celui où Elisa a pénétré sur le territoire français à l'âge de 27 ans. Depuis le 30 octobre de la même année, Benito Mussolini était au pouvoir en Italie à la faveur de la marche que ses partisans avaient organisée sur Rome, rêvant de n'avoir, comme dit Virgile à propos de César, que l'océan pour limite à son empire et que le ciel à sa renommée. Mais ce n'était pas les chemises noires ni leurs douches qui les a fuyées, c'était la misère. Le passeport précise aussi qu'elle était accompagnée de sa fille Mafalda, alors âgée de 2 ans, née à Assise. Elisa aura encore 2 enfants qui verront le jour en exil, une fille, Mima, ma grand-mère, et un garçon, Emilio, tonton Émile. De Pasquale, mon arrière-grand-père, je sais seulement qu'il est né et a vécu à Perugia et qu'il était issu d'une famille de 11 enfants. Je ne l'ai pas connu et aucun document le concernant ne m'est parvenu. Je dois donc m'en tenir aux propos de Mima dans sa 96e année de vie à l'heure où j'écris ces lignes. Ses cheveux éternellement teintés d'un roux presque rouge. 1m45, 37 kg au meilleur de sa forme et toute sa tête, quoique passablement dure d'oreille à présent. Lorsque j'étais adolescent, Mima m'a offert en souvenir une bague en argent ornée d'une croix basque qui avait appartenu à Pasquale, et je la porte encore aujourd'hui à l'auriculaire de la main droite. À l'intérieur de l'année est gravée la devise « Onga ene gogoa »,« Faire le bien est mon culte ». Mais je n'ai jamais su pourquoi un tel bijou se trouvait au doigt d'un vieux rital. Selon les tirs de Mima, Elisa aurait été envoyée en qualité de nourrice par la fameuse famille Bitoni au temps où elle allaitait Mafalda. Cette dernière aurait donc eu un frère de lait issu de cette dynastie d'entrepreneurs pionniers de l'industrie de la pâte alimentaire, et ma grand-mère ne pouvait s'empêcher de tirer une ironique fierté de ce lien particulier qui unissait sa mère et sa sœur aînée avec le fils héritier d'un nom connu partout à travers le monde pour être écrit en caractère rouge sur fond vert sur des millions de boîtes et d'emballages. Et en effet, la Casa Bitoni, résidence familiale devenue par la suite le centre de création et d'évaluation des produits de la marque, était située dans la petite ville de San Sepolcro, dans la province d'Arezzo, Toscane, à la frontière de l'Ombrie, à peine à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Gubbio. D'Elisa, je n'ai gardé pour ainsi dire aucun souvenir, si ce n'est une silhouette vague et son accent qui l'auréolait d'un profond mystère dans l'esprit de l'enfant que j'étais alors. Malgré tous mes efforts, je ne parviens plus désormais à fixer son image dans ma mémoire. Elle ne parlait pas ou très peu le français, ce qui fait qu'elle était restée une étrangère même au sein de sa propre famille. Nous l'appelions Mémé Elise. J'aimais assez, je crois, la voir le dimanche lorsque nous allions chez mes grands-parents, même si j'ai le sentiment à présent qu'elle ne m'a jamais manifesté la moindre marque d'affection. Mais peut-être était-ce que lui manquait dans notre langue les petits mots doux qui servent à l'exprimer. Je n'avais que 3 ans lorsqu'elle est morte en l'année du Seigneur 1974, ayant vécu 8 et 60 années et 10 années au cours d'un déjeuner de famille auquel elle avait refusé d'assister par superstition, car avec elle nous aurions alors été 13 convives autour de la table. Exactement comme lors du dernier repas que Jésus-Christ prit avec les 12 apôtres, le soir du Jeudi Saint, avant la Pâque juive, peu de temps avant son arrestation la veille de sa crucifixion et 3 jours précédant sa résurrection. Thank you.
Selon ce que j'ai pu en déduire par la suite, restée seule dans la cuisine où elle aidait à préparer les plats tandis que nous étions tous réunis dans le salon, elle est décédée d'un arrêt cardiaque en attisant le feu. Son visage était gravement brûlé, raison pour laquelle je n'ai pas été autorisé à voir sa dépouille étendue sans vie sur le lit de mes grands-parents. Sa mort tragique est quelque peu légendaire et le premier événement dont je garde le souvenir précis, car j'ai pris conscience ce jour-là que nous étions tous destinés à mourir. Elisa Frondizi a épousé Pasquale Ferranti à Assise et ils ont eu deux filles et un fils, Mafalda, l'aînée, Tati Marie, installée à Villerue avec les siens alors que le reste de la famille, qui avait fui pendant l'exode de juin 1940, selon ce que j'en ai déduit, avait fini par trouver refuge dans un patelin paumé au sud-ouest de la France, dans le nord de la Gironde. Mima, la cadette que nous appelions tous Mémé Mina, avec un N, allez savoir pourquoi. Et Emilio, le Benjamin, le fameux tonton Émile, que j'ai toujours vu débouler chez mes grands-parents avec femme et enfant au volant d'une Fiat 500. Et Mafalda Ferranti a épousé Guy Gualtieri qui conduisait une Citroën DS et ils ont eu un fils Jean-Robert et une fille Francesca. Et Mima Ferranti a épousé René Troget, métayer vendéen, et ils ont engendré à leur tour trois enfants, Tati Sonia, Josette, ma mère et tonton Alain, encore deux filles aînées et un Benjamin. Et Emilio, avec ses grosses lunettes, a épousé Denise, et ensemble ils ont eu un fils, Bernard. Et Jean-Robert a épousé Francette, et ensemble ils ont eu Eric et Philippe. Et Francesca a épousé Dovi, et ils ont eu ensemble Frédéric. Et Sonia a épousé Serge, et ils ont eu une fille prénommée Florence. Et Josette a épousé Roger et ensemble ils ont eu Christophe et David. Et Alain a épousé Madeleine et ils ont eu une unique fille, Valérie. Et Bernard a épousé Claude et ils ont engendré Cyril et Pascal, dont le prénom rappelle à travers les ans celui de son aïeul. Voici la famille des enfants d'Elisa et de Pasquale, selon leur naissance, le germe de leur engeance sur trois générations. Elisane et Pasquale ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine, pas même pour un bref séjour, et ma grand-mère Mima n'y a jamais mis les pieds, ni aucun autre membre de la famille. Tous les ponts avaient été coupés avec l'Italie, et de même, pour ainsi dire, que la langue et les oreilles, puisque aucun d'entre nous n'a jamais appris à parler l'italien. Un interdit linguistique pesait obscurément sur nous afin de parfaire notre assimilation. Et quand, parfois par inadvertance ou au détour d'une conversation, une insulte ou un juron fleurissait en version originale non sous-titrée, dont nous délections mon frère et moi en repérer les savoureuses sonorités sans comprendre ce qu'elles signifiaient. Au fond, nous n'étions que des ritales, comme dit la chanson juste, de bavards bouffeurs de lasagne et de polenta, dotés d'un penchant profond à la fois pour le grotesque et pour la tragédie. Et il y aurait tellement d'histoires à raconter à propos de ces gens dont certains ne sont plus et qui pour la plupart ne se voient plus, sauf pour les enterrements. Tant d'histoires banales ou édifiantes comme dans toutes les familles, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents aussi, maris et femmes et enfants. Tout cela fait une sacrée salade et ces histoires toutefois n'ont guère d'importance, excepté peut-être pour celles et ceux qui les ont vécues.
Perugia, capitale de l'Ombrie, Italie, est une cité antique de moyenne importance bâtie sur deux collines, le Colle del Sole et le Colle Landone qui dominent la vallée du Tibre. À l'ouest se trouve le lac Trasimeno. À l'est, sur les premiers contreforts de l'Apennin, sont les villes d'Assise et de Gubbio. Son centre historique est entouré par des murs étrusques et médiévaux. Costanzo, son saint patron, premier évêque de Perugia, fut décapité près de Foligno en l'an de grâce 170 lors des persécutions des chrétiens sous le règne de Marc Aurèle. Le griffon, créature monstrueuse, moitié aigle et moitié lion, muni d'oreilles de cheval, symbole de la double nature du Christ, à la fois humaine et divine, est l'emblème de la ville. Mais cela, je l'ignorais lorsque je suis parti, comme j'ignorais aussi ce que j'allais chercher là-bas. Je n'avais emporté pour tout bagage que quelques livres et deux images que j'avais pu trouver des Elisa. J'étais installé dans le quartier Porta Sole, le plus élevé et le plus central, précisément à l'angle de la Via Raffaello et de la Via Mattioli, où se trouve la maison natale de Sandro Pena, dont les poèmes disent combien d'aimer peut être douloureux, non loin de la Piazza Raffaello, où sont gravés sur une plaque de marbre les fameux vers de Dante extraits du chant 11 du Paradis, qui évoquent la ville et sa porte du soleil, ainsi que le bienheureux Ubaldo Baldassini, évêque et saint patron de Gubbio, canonisé par le pape Céleste III le 5 mars 1192, car il fut pieux et juste durant sa vie sur terre. Et même de son tombeau, il continua à faire des prodiges en chassant les démons et en soignant toutes sortes de maladies. Juste en face de l'entrée de l'immeuble par laquelle je passais plusieurs fois par jour, il me suffisait de franchir le seuil de la Cappella di San Severo pour contempler la fresque de la Trinité commencée dans sa partie supérieure en l'an du Christ 1505 par Raffaello Sanzio da Urbino, dit Raphaël en français, alors qu'il était encore dans son jeune âge. La scène représente Jésus en gloire traînant au ciel, surmonté de la colombe du Saint-Esprit et d'une nuée d'anges. À sa droite sont assis les saints morts, Placide et Benoît. À sa gauche, les saints Romuald, Benoît et Jean. C'est à Pietro di Cristoforo Vannucci di Il Perugino que revint 15 ans plus tard, peu de temps avant d'être emporté par la peste, la charge d'achever son œuvre, l'œuvre de son disciple, dans sa partie inférieure et d'y ajouter 6 saints afin d'entourer une vierge, un enfant en terre cuite, modelée par des mains anonymes, placée dans une niche au centre de l'autel. Mais de telles beautés ne m'étaient d'aucun secours. En vain, je tentais de saisir le souvenir d'Elisa, toujours son ombre m'échappait sans que je puisse jamais l'approcher. À Perugia, en vérité, je vous le dis, je fus surtout l'objet de mes divagations et de mes fantasmes. J'étais déchiré intérieurement, je buvais considérablement, et plus je me débattais dans ma solitude, plus je m'y enfonçais comme dans des sables mouvants. J'errais dans la gaine de feu où sont les pleurs et les grincements de dents. À Perugia, pendant la première quinzaine du mois de juillet, se déroulait un important festival de jazz qui attirait une multitude turbulente et bruissante. Touristes et spectateurs amateurs se mêlaient dans une chorégraphie insouciante et joyeuse avec les rares autochtones qui n'avaient pas encore fui la cohue estivale pour rejoindre les plages et les rivages ensoleillés de la mer Méditerranée. Les rues retentissaient de rires et d'applaudissements. Partout, la fête battait son plein, mais je n'en étais pas. Plus la joie était exubérante, plus je m'en sentais exclu, comme repoussé sur les bords extrêmes d'une détresse dont je ne parvenais pas à circonscrire la cause ni la nature. J'étais au bout du rouleau.
Comme une épave, je flottais entre deux eaux, passant de l'espoir à l'angoisse sans y comprendre rien. J'avais besoin d'être seul pour le travail des larmes. J'essayais d'écrire, mais le projet pour lequel j'étais venu ici peinait à prendre forme. Je me lançais sur une piste et je l'abandonnais aussitôt de crainte de perdre le peu de temps dont je disposais. Même les livres, je les ouvrais et je les reposais avec des arrois. Les mots ne parvenaient pas à mon entendement, je butais dessus comme sur de lourdes pierres en comprenant un sentier escarpé. Ils m'étaient devenus totalement opaques et n'avaient aucune résonance dans mon esprit. Je ne voyais en eux qu'un labyrinthe indéchiffrable de signes dont j'étais incapable de percevoir la signification. C'était comme si j'avais été condamné à errer seul sans fin dans cette cité où vécurent mes ancêtres, comme si j'étais perdu dans un des cercles de l'enfer chanté par Dante et non au paradis. J'étais très exalté. Je marchais vite, plus vite que les fantômes. Je rôdais dans les rues vêtues d'un sac de toile et la tête couverte de cendres. Pourquoi déambuler encore et encore sur des chemins difficiles et pénibles? Un de ces soirs nombreux où j'avais excessivement bu à Perugia, j'ai avalé tant j'étais angoissé une poignée de somnifères. Mais je préfère passer sous silence ce qui s'est passé ensuite et que j'ignore en vérité pour l'essentiel. Et je tombais comme tombe un corps mort. Je me suis réveillé le lendemain matin étendu sur le sol. L'appartement était dévasté, mes fringues éparpillées, le meuble renversé, je m'étais blessé. Le soleil me brûlait les yeux, j'avais affreusement soif, je frémissais, je tremblais comme il est juste de trembler lorsque le destin qui n'est pas aveugle et qui sait très précisément ce qu'il fait s'est enfin décidé à frapper comme toujours au moment le plus approprié et pile au bon endroit où ses coups marquent le mieux et sont sans conteste les plus douloureux. Mais comment, mais que s'est-il passé, pensais-je, en scrutant mon visage tuméfié dans le miroir de la salle de bain, et tandis que je reprenais péniblement conscience. Je me suis vu horreur et nulle part où échapper à moi. Mais j'étais bel et bien face à un pan définitivement effacé de ma mémoire. Une chose était sûre cependant, j'avais une fois de plus laissé la rage éclater dans mon cœur et tout était dévasté. Pas de retour possible, pas de diversion. Mais jamais, je ne saurais jamais, je ne saurais ce que j'avais véritablement fait cette nuit-là, comme à chaque fois que je me livrais à de semblables excès. Fils d'homme, jusqu'à quand le cœur lourd? Je perdais sur tous les fronts, j'écoutais les cris affolés des martinets qui tournoyaient dans le ciel incandescent. Je me recueillais sur les ruines du jour. Toute cette joie, tout ce débordement de joie et d'allégresse qui m'entourait m'était parfaitement étranger. Je n'étais pour moi qu'un lieu stérile où je ne pouvais rester mais que je ne pouvais pas quitter. Où mon cœur aurait-il fui mon cœur, où m'enfuir de moi-même, où aller sans me suivre moi-même? Je pleurais beaucoup, j'étais perdu dans la vallée des pleurs. Je pleurais amèrement et je trouvais mon repos dans l'amertume. Je brûlais, mais sans briller, je me consumais. J'avais un goût de cendre dans la bouche. Je croyais fouler les marches de la Via del Paradiso qui se trouve quelque part au centre de la ville, mais en réalité, je descendais les degrés de l'enfer. Voici. En vérité, je vous le dis, dans quel état de désarroi j'étais et ce qui m'est arrivé à Perugia où j'étais venu dans l'espoir vain de renouer avec mes racines. L'horreur était partout, dans la lumière elle-même. Peut-être avais-je fait une overdose de lumière.
Je suis mort à trois reprises. Trois fois, tandis que j'arpentais les rues étroites de Perugia et que je franchissais la porte du soleil, suspendant un bref instant mon errance pour contempler du haut des escaliers à l'heure tranquille du crépuscule le panorama sur la ville et la campagne environnante, j'ai été ébloui par des beautés telles que ma conscience s'est évanouie en dehors d'elle-même, tant mon exaltation m'avait rendu sensible à la grâce et aux splendeurs du monde. Mon désir était si ardent, mon désarroi si grand que, par trois fois, j'eus l'esprit ébranlé et je fus pris d'un soudain vertige qui me fit perdre connaissance à la vue du ciel embrasé et des lueurs vives qui s'enroulaient en un tourbillon de couleurs étincelantes. C'était comme si soudain le temps et l'espace n'avaient plus de mesure. Et je perçus alors à mes oreilles l'écho lointain d'un chant d'une douceur ineffable. C'était, pour ainsi dire, une pluie scintillante de notes de lumière pareilles aux astres qui resplendissent dans le firmament. Alors mon cœur s'est enflammé, puis il s'est arrêté. Une immense tache rouge a éclaté dans mon cerveau, puis il s'est éteint et je me suis senti soudain comme soulevé à travers les substances de l'air et puis je suis tombé dans un grand vide, un abîme sur lequel il n'y avait pas de lumière ou quelque chose venait définitivement de se consumer. Ainsi, peut-être avais-je atteint le paroxysme en même temps de ma détresse et de ma joie. Ce fut à chaque fois comme si j'avais été saisi par un éclair subit qui désagrège les esprits de la vue. Mais ce n'était certes pas un rêve ni le fruit de mon imagination. C'était plutôt comme si l'atmosphère autour de moi rayonnait d'allégresse et exultait d'une liesse si intense que cette vision outrepassait les possibilités humaines et je ne suis en aucune façon en mesure d'exprimer ni même de suggérer par le langage commun quelles furent alors mon émotion et les sensations que j'éprouvais. Aucun art humain, me semble-t-il, aussi habile soit-il et nouveau, ne le pourrait. Car la mémoire même y fait défaut. Et comme parfois on s'éveille au sortir d'un rêve, sans plus se souvenir des visions qui nous ont agités la nuit durant, mais l'esprit troublé encore et tout imprégné des sensations confuses et des pensées flottantes qu'il nous est désormais impossible de démêler ainsi, donc j'ai chuté par trois fois et par trois fois je me suis relevé et j'ai repris le cours de mes déambulations dans un état de douloureuse exaltation et le cœur encore plein de stupeur, mais jamais je n'ai pu retrouver ce qui s'était réellement passé durant ces instants décisifs où ma conscience s'était dérobée, ni jamais je n'ai même su exprimer par des mots ce que j'avais ressenti de façon fugitive et qui, pourtant, m'avait si profondément bouleversé. Aussi, dois-je me résoudre à laisser en suspens, sans en déchiffrer le sens, le récit de ces défaillances qui furent pour moi pareilles à des éclipses et passer outre sans plus en dire. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Perugia, tout en haut du Corso Garibaldi, dans le Tempio di San Michele Arcangelo, où je me rendais régulièrement pour contempler les reflets chatoyants de la lumière qui s'écoulait du vitrail par la petite chapelle située sur le flanc droit de l'édifice, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un survêtement de couleur fluo et chaussé d'une paire de baskets extravagantes, se martelait la poitrine en courant autour de l'hôtel circulaire. Était-ce sa façon de s'entraîner ou bien celle de prier? Puis il s'arrêta pour se prosterner devant la statue en marbre blanc de l'archange Saint-Michel qui tient son épée dans la main droite et pointe de l'autre un doigt vers le ciel. Mais il reçut un appel sur son téléphone portable et se mit à hurler dans l'appareil en gesticulant tout en se dirigeant d'un pas précipité vers la sortie et sa silhouette s'est évanouie dans la clarté éblouissante du jour. Pendant ce temps-là, à Perugia, la fête battait son plein. Il y avait de la musique et des divertissements à tous les coins de rue. L'air résonnait de refrains enjoués, bruissés de conversations joyeuses, ponctuées d'éclats de rire.
Ces voix se répandaient dans mes oreilles. Je nantissais quantité de carnets, j'écrivais en marchant lorsque j'étais à table, parfois même sans m'en rendre compte. Mais je ne parviens plus désormais à retrouver le fil des journées tel qu'il s'est réellement déroulé. Il n'y a que les photos et les notes confuses que j'ai prises pour attester que tout cela fut vrai. Selon toute apparence, j'avançais dans une sorte de fascination hypnotique et extatique. L'avidité avec laquelle je m'étais lancé dans la découverte des lieux m'avait déboussolé à un point tel que j'en avais perdu la tête. Le caractère labyrinthique de Perugia, ces murs qui sont élevés par-dessus d'anciens murs, cette façon si particulière d'ajouter de vieilles pierres à des pierres plus vieilles encore, de superposer un arc à un arc, de combler des ouvertures pour en percer d'autres juste à côté sur la même façade, m'avait profondément ébranlé. Il semblait qu'aucune maison, aucun palais, pas le moindre édifice n'avait été construit d'un seul geste en une seule étape. Ce n'était partout qu'empilement chaotique, recouvrement, traces, surfaces effacées et refaçonnées, récupération, remodelage. Pas un bâtiment qui ne fût inscrit dans un ordre architectural antérieur. Le temps se lisait sur les murs comme dans un palimpseste ancien. Tout cela avait eu pour effet de troubler mon entendement, de me faire perdre la notion de l'espace et du temps. En vérité, je vous l'ai dit, une force mystérieuse me poussait de l'avant, m'entraînant dans des divagations furieusement incontrôlées. J'étais comme un insecte affolé, se débattant dans une pièce à la recherche d'une issue, se heurtant sans cesse contre les murs et les fenêtres, mais il n'y avait pas d'issue. D'un coup, c'était fini. Au terme du 15e jour précisément de ma présence à Perugia, j'avais noirci des dizaines de pages, j'avais accompli un travail considérable sans presque me rendre compte. J'avais vu des tableaux, visité des églises, arpenté des rues, sillonné la région dans toutes les directions, et maintenant, c'était comme si ces images soudain s'étaient toutes envolées, comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Soudain, la ville reprenait son visage normal. Belles formes multiples, couleurs vives et brillantes. Je ne comprenais plus qui j'avais été la veille. J'étais incapable de reconnaître mes traits lorsque je croisais leur reflet dans une vitrine ou bien dans le miroir de ma salle de bain. Tout cela me semblait lointain, étranger. La folie était partie comme elle était venue, sans laisser la moindre trace et comme chassée par le vent. Mes jours étaient devenus désormais ceux d'un touriste en villégiature qui s'abandonne avec désinvolture aux joies et aux plaisirs innombrables d'un séjour en pays étranger. Les corps tourmentés et suppliciés avaient disparu aussi brusquement qu'ils avaient surgi. Je n'étais plus hanté par des visions lascives. Le ciel n'était plus encombré de séraphins ni de griffons, il n'y avait plus de lutte entre les anges et les démons. Même les martinets avaient cessé leur vertigineuse chorégraphie. Mon cœur battait de nouveau normalement. Le climat aussi avait changé, les nuages s'étaient dissipés, le ciel désormais était invariablement bleu. L'alcool ne faisait plus le même effet. Je restais stupéfait, vaguement inquiet. Je ressentais une immense tristesse. J'étais profondément désemparé. Qu'avait-il bien pu se passer? Quelle tempête avait pu se lever ainsi en moi? Quelle exaltation! Une vie changeante, multiple, une immensité violente.
ne crois pas avoir été victime d'un quelconque syndrome de Perugia, un présumé choc esthétique qui serait en somme le même à peu près que celui qu'éprouva Stendhal à Florence alors qu'il se tenait agenouillé sur un prie-dieu, la tête renversée en arrière pour contempler dans la basilica Santa Croce la fresque de la coupole de la chapelle Nicolini peinte par Volterrano. Tout porte à croire plutôt que je m'étais engagé trop en avant sur la voie qui nous mène tout droit, par-delà les larmes, jusqu'à la mort. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, à 16h40 précisément, j'arrivais à mon tour à Modane, France, pratiquement un siècle après Elisa. Ainsi, la boucle était bouclée. Benvenuti in Francia, bienvenue en France, comme nous le souhaita dans les deux langues le chef de bord avec un accent italien très prononcé. Mais nous n'étions visiblement pas tous les bienvenus. Des policiers en civil portant brassards sont montés dans le train pour contrôler nos identités, tandis que des bergers allemands tenus en laisse par des hommes en uniforme aboyaient sauvagement sur le quai de la gare. Mais peut-être ce déploiement de force n'avait-il pour seul objectif que de rassurer ce couple de noirs dont la petite fille, qui paraissait âgée de 3 ou 4 ans, assise en bas d'un marchepied sur une valise défoncée, pleurait sans raison apparente. Je n'ai trouvé aucune information à Perugia concernant Elisa et Pasquale, je n'en ai pas cherché. Je n'ai pas consulté d'archives, ni les registres de l'état civil, ni même tenté de contacter d'éventuels parents. Je n'ai entrepris aucune démarche pour retrouver leurs traces, comme j'avais prétendu le faire auprès des institutions qui m'avaient accordé une bourse de résidence. Je ne les ai pas tirés de l'oubli, à quoi bon? En vérité, je vous le dis, je me suis comporté exactement comme d'habitude, de façon navrante, avec le plus grand égoïsme. Je n'ai fait que marcher dans les rues qu'ils ont fréquentées, regarder les paysages qu'ils ont contemplés, visiter les églises dans lesquelles, peut-être, ils étaient allés se recueillir. Et c'était à mes yeux suffisant. J'ai vu les mêmes cieux qu'eux, senti les mêmes odeurs, et malgré cette calamiteuse expérience, j'avais été plus près quelque part. Quelque chose, peut-être, avait pris vie. Mais ce n'était certes pas mes aïeux. Au moins, ai-je compris qu'ils n'attendaient rien de moi, que je n'avais rien à leur apporter, qu'ils n'espéraient aucun réconfort de ma part. Car les distances créées par les temps sont infranchissables. À courir après des fantômes, aussi familiers soient-ils, on attrape au mieux que du vent. J'étais venu avec beaucoup d'amour pourtant, qu'il ne me fut d'aucun secours. Des racines, tout le monde a des racines, dit William Carlos Williams, cela ne présente pas le moins d'intérêt. Il faut laisser reposer en paix ceux dont la course ici-bas est achevée, et ne pas tenter de solder les comptes du passé au risque sinon d'agiter nos propres spectres. Les morts sont insensibles au récit, ils n'ont pas besoin d'être apaisés, où ils sont, plus rien ne les concerne. Ce que nous remuons, ce que nous recherchons obstinément, ce sur quoi nous enquêtons sans relâche, ce ne sont que des songes, de frêles apparences dépourvues de corps et de réalité qui n'intéressent que les vivants. Les morts, eux, sont sans histoire, du moins, je crois, ne cherchent-ils plus à en avoir ? Seuls les vivants réclament les récits et les mots dont nous usons ne sont animés que par notre désir de vouloir à tout prix réveiller les morts par leur évocation sonore, car nous craignons d'être à la fin comme indifférents à l'impénétrable fouillis des événements. Entretenir, certes, le souvenir, mais il n'y a rien à restaurer, rien en vérité qui puisse être réparé. Garder trace, témoigner, mais de quoi? Au fond,
Les chroniques des temps passés peut-être ne sont écrites que pour confirmer notre propre sentiment d'existence. Et si, parfois, nous faisons halte, si nous sommes tentés parfois de nous retourner un instant afin de jeter un ultime regard en arrière sur ceux qui nous sont chers, prenons garde, surtout de ne pas demeurer pétrifiés par ce que nous voyons et tâchons au plus vite de poursuivre par le monde la trajectoire qui nous est assignée. Me voici de retour à Paris. Je ne veux plus penser aux épreuves que j'ai traversées ni à mes lamentables égarements. Comme il est aisé à suivre la voie qui descend dans la nuit solitaire, mais il est étroit et âpre et tortueux le sentier qui revient à la pleine lumière, et combien peu nombreux ceux qui l'empruntent le cœur sûr sans se fouvoyer ni trébucher. En vérité, tout cela, je vous le dis, n'est que vapeur, mirage, songe fugitif. J'ai une vie, j'existe, je suis vivant. J'aimerais désormais, s'il se peut, avant d'atteindre le terme des jours qui m'ont été accordés, pour le temps qu'il me reste encore à respirer, séjourner sans infamie ni louange et toute crainte vaincue dans une paix sans orage. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. En vérité, tout cela, je vous le dis, n'est que vapeur, mirage, songe fugitif. J'ai une vie, j'existe, je suis vivant. J'aimerais désormais, s'il se peut, avant d'atteindre le terme des jours qui m'ont été accordés, et pour le temps qu'il me reste encore à respirer, séjourner sans infamie ni louange et toute crainte vaincue dans une paix sans orage. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.